Vision, Barbecue, Tilapli, et Chris là, le mois sans jour, Jeff Canaan, pas oublié. De quoi parler de négociation, faut qu'on en position de force. Ok? De quoi parler de négociation, faut qu'on en position de force. Elle dit, je dis à la, ok? Nous pas de force que nous avons avant du temps, dans le moment où Ariel Henry était dehors. Nous pas de même force là. Si c'est pour cas, c'est tout le monde, nous avons force là, oui. Nous avons fait le camp de pays, bloqué, nous avons fait. Mais ce n'est pas même bagarre là, parce que dans le moment là, nous avons une force étrangère qui n'a pas eu. La police vient mieux s'équiper. Ok? Et je dis à la, c'est l'international et le gouvernement haïtien qui est déterminé pour finir la question de sécurité. Donc nous n'avons pas de force que nous avons encore. Donc seule chose que nous avons là, c'est garder qui est capable de remettre des âmes et puis planifier sortir nous. Et sortir nous, on n'a pas l'autre route. Que prison. Que prison. Et nous parlons de prison, que ce soit en Haïti ou bien aux États-Unis, mais au moins après en vie. Et si nous parlons de confrontation, Baba nous menti, nous allons mourir. On est nous qui bataille. On est que nous avons fait. Mais si nous ne voulons pas mourir, c'est remettre ça, monsieur, et puis rendre tête la justice, négocier. Assurer nous un bon avocat. Et puis négocier. C'est là le cas fait. Parce que dans mon moment là, il est trop tard. Nous n'avons pas force ça encore. Et alors, dans la question bandit, je dis monsieur que. Ok? Et il est trop tard. A fait question de négociation, il est trop tard. Au sujet de matin, dans l'émission matin débat, nous avons un conseil. Laisse ça, et portant de fermé, il était en position de force. En tout cas, monsieur. Est-ce que solution, c'est coup de zam? Je pas fin quoi. Je pas fin quoi. Ndaim c'est un monde qui croit dans la négociation, mais pas n'importe négociation. Avec qui est négociation et sur qui base négociation? Monsieur, il pas mettre tête yo tant qu'on tout dit. C'est pas mettre tête yo là, même le à un certain niveau son choix au fait. Mais ils ont été guidés. Ils ont été armés. Ils ont été dirigés par un secteur, par des secteurs vitaux de la vie nationale. D'ailleurs, Gayoun Nanegyo, rappelez-vous qui te dit ça, c'est tel député qui te bombe zam. Même le Sabaham est lucide. Gayoun plusieurs là dedans qui disent que Gayoun des groupes de monde là, en de secteur privé des affaires là, Gayoun des groupes de monde là, en de politique là, qui toujours bas zam. Donc, moi pense que je dis à la, pis gros bandit, c'est nègre costume là. C'est nègre ou pas ouéa, c'est moun ou pas ouéa, c'est eux même. Et c'est yon à chercher, et c'est yon pour chercher. Nèk sa yon déjà dans viseur, monsieur sa yon déjà à terre, yon dans viseur, tout moun konne yon, mais l'autre moun nous besoin. Parce que tout yon Iso, tout yon Tilapli, tout yon Barbecue, tout yon Chris là, m'a bon menti. Bon, Esaü, oui, c'est pas. Il faut quand même rappeler que la position du gouvernement à ce sujet, Kaikoni, également membre MMS et la police, et pas de négociation avec bandit, alors gain négociation avec bandit à condition. Il dépose les armes, il remet les armes et puis il va être de la justice. Peut-être si vous négociation pas fait, il va faire à partir de la justice. Ok? Si vous négociation pas fait, il va faire à partir de la justice. Bon, bah on est comme le gouvernement pas gagné mis sur appareil judiciaire là, mais nous comptons comment bah là. Ok, alors moi-même, moi, c'est que Esaïe César Bématé dans tout le monde. Comment le gouvernement n'a pas même mis sous appareil judiciaire? Tout le monde, quel que soit, où sont les Préval? Bah, connais, expliquez, expliquez. Le Préval, tu as assumé la responsabilité. Il n'y a pas de avec la justice. Non, le Préval, tu as assumé la responsabilité. Moi-même, je ne vais pas mentir, dans tout. Je dis à Sinego, je suis vraiment libre, libre dans le pays. C'est déposer ses âmes et puis elle va être de la justice. Bon, c'est certain qu'il y a prend tout prison quand même. Non, mais négociation pas faite comme ça. Négociation pas faite comme ça. Il y a peut-être matin, il y a peut-être ça va le bon de juge là. Non, négociation pas faite comme ça, Louko. Mais le matin là, tout pas oublié. Pas oublié, monsieur. Moun yo kidnappé dans le pays. Moun yo assassiné dans le pays. Est-ce que par un yo, t'as le poté plainte devant la justice pour nègre? C'est important. Donc, tiens, monsieur. Ou quand est-ce que yo a arrêté le mort sans jour? Et puis devant la justice, pas évidence, non? Ou quand est-ce que vous arrêté Barbecue, mon frère? Et puis devant la justice, pas d'évidence, vous libérez. Parce que faut
pour nous connaître, est-ce que moun sa yo qui victime de action nek sa yo, est-ce que yo t'a porté plainte devant la justice pour yo? Est-ce qu'il y a plainte? C'est très important, hein? Yo ka vini yo dit que yo tel te kidnappé un tel pour moi, mais prouvez que comment kidnapper n'a fait. Est-ce que vous avez son, vous avez vidéo? Écoutez, la justice sont l'autre bagaille que lié. Logo, permettez-moi de faire un petit campo là. Est-ce que vous avez son, est-ce que vous avez vidéo? Un, la loi pénale haïtienne est tellement ancienne, tellement désuète que la technologie n'a pas tenu compte de lui. Elle dit même, voilà. Même si par exemple, on a tué le président Jovenel Moïse, tu as une caméra dans la chambre, tu as un monde qui t'a filmé, et puis ou filmé le monde qui pète fiel le président, ou pour la justice n'a pas tenu compte de lui parce que justement la loi pénale haïtienne, bon, la loi haïtienne en soi. Voilà, galette. Ça c'est un. T'as l'air le coup. Deuxième bagaille. Pas de plainte qui peut être clamé en public qui est mis en mouvement contre Nexayo. Depuis que clamé en public met en mouvement contre tout, c'est automatiquement la justice, la police a cherché. Et de fait, en plus de ça. Combien de fois, fois que la police a été un bandit, il veut la justice et puis qu'on livre la justice, il y a la gueule. Voilà. Parce que là, pas j'aime by évidence. Ok? Ok? Preuve. Ok? Convaincante que le juge est capable de partir de. Dit, ok. Nek sa m'a mette l'en côté. Sauf si qui flagrant de li. Non, bon, même flagrant de li, tout la loi pas défini au période pour li. Maintenant, Louko Désir, et gon paquet de bandits justement, depuis que la main publique te met en mouvement, pourtant qu'on se pose des questions, combien de fois la police arrête ton moun, la justice la gueule. Est-ce que la justice la gueule, moun que la main publique met en mouvement contre li déjà? C'est ça. C'est là que je pense que si on t'a supposé chita pour moi-même. Parce que depuis mon clameur public, le clameur public, c'est le parquet, oui. C'est parquet dans la juridiction côté mon a évolué. Qui tout par exemple là, automatiquement, parquet qui est en connaît la chercher ISO, bien que c'est ISO qui te fait parquet courir. Mais parquet a cherché ISO. Par contre, tu comprends, non? Quoi de bouquet, parquet quoi de bouquet a cherché l'homme sans jour. Bien que l'homme sans jour fait parquet quoi de bouquet à loger tabac ou n'y a. Par contre, tu comprends ça, m'a dit à nous. Donc, automatiquement, jour après l'homme sans jour, c'est jugé condamné. Malgré que le gouvernement entendait voir Martin Débat. Il vient d'annoncer que il y a une délégation de 40 personnes qui l'a déplacé pour aller aux Nations Unies. Et bien, le gouvernement entendait Martin Débat. Il diminue de 40 personnes, il y a 16 personnes dans le moment. Ah bon? Donc, il y a 16 personnes qui ont déplacé dans la délégation que il y a présidé qui parlait dans son Unies week-end. Okay. Gary Conny, Premier ministre. Dominique Dupuy, ministre des Affaires étrangères. Marie D. Point à point. Kathleen Florestal, ministre de l'économie et des finances. Nesmi Maniga, chef cabinet du Premier ministre. Stéphanie Appoint, d'Orsainville, membre du cabinet. Guy Lamotte, ambassadeur. Antoine J.F. Mike Lafontaine, membre du cabinet. Joseph Henriot Lafontaine, AIC, secteur privé. David Charles Vladimir Saint-Louis, directeur adjoint au ministère de l'économie et des finances. Jean-Daniel Sénat, journaliste Le Nouvelliste. Charlie Amazon, photographe Le Nouvelliste. Jocelyne Guerrier, journaliste Radio Caraïbe, Radio Télévision Caraïbe. Johnny Ferdinand, journaliste Radio Télévision Caraïbe. Johnny, bonsoir là, oui. Naïve. Qu'est-ce qui va faire pour mes occasions? Ronald des hommes. Conventon Jean, journaliste métronome, et Conventon Monsieur,
Plaisir mon Jean, Marco, Marco, Marco. Journaliste Scoop FM, ça fait que c'est 16 moun qui a déplacé, qui peut aller, donc Nations Unies, et donc, et n'a pas rappelé que c'est sénateur Edgar Lobel, fils président CPTA, qui prend la parole sur la tribune des Nations Unies. Hey, yeah. Et pas débat, moi pas ouais sur internet là. C'est pas débat qui pas dit. Il me sous plusieurs forums. Il y a deux forums, yo connais là. Mais il y a deux forums, yo pas connais sim là. Moi ouais échange yo, moi ouais ça cap dit yo et cetera. Et bah moi ouais me limri, et bah tout. Qu'on dit ancien président Jovenel Moïse t'a dit. Là moi venant de chambre garde dans glace là pour moi est-ce que c'est des moi à parler. Vous comprenez? Mais comme nous comprenons dynamique réseaux sociaux depuis un certain temps et nous connaît ti moun parler dans gendarme important c'est bien chita ou bien chita ouais. Sou pas bien chita n'importe qui est ka gade en bas gen moun ki conseiller moi puis gam te parler de bagay comme ça pour me juste une là et puis me faire travail moi qui t'ai le marché ouais. Peut-être que l'histoire t'a pral juger est-ce que moun qui t'ai fait tel commentaire t'ai gen raison est-ce que le pas gen raison ouais. Mais obligé faire le contraire de sa moun yo conseiller que soit moun nan radio ou bien de l'autre ami qui proche n'était pas fait blackout sous parole là juste quitter les réseaux sociaux la frappé parce que ici c'est dossier qui rentre dossier avant deux semaines de gain doit oublier mais par respect moi gagne pour auditeur yo par respect moi gagne pour internaute yo par respect moins gagné pour des amis qui a fait crime qui a dit qu'ils allaient la yé obligé quand même bail et version pan loin de toute idée pour me venir justifier pour comprendre ou bien faire polémique pour me venir comme si faire passer pour plus beau non m'a ben nous exactement ça va la yé d'ailleurs tout le monde qui côtoie de plus près puis gros défaut me gagne c'est que moi me sincère OK. Si me font tintin, m'a dit me font tintin. Me font bon bagage, m'a dit me font bagage. Et m'assumer tout choix que je fais dans la vie. Par contre, vous comprenez, on a des hommes. Yeah. Et. Gen moun, ok? Qui attendent là, c'est des moun qui quittent le sommeil, qui quittent l'activité, qui quittent le dormir. Qui attendent. Et plus de 10 000, 15 000 moun, 20 000 moun qui attendent chaque matin. Sur différentes plateformes radio télévision Caraïbio, mon capitaine de nous à travers la ville de province via les différentes stations de radio qui relaient nous mon capitaine de nous sur 94.5 yo en pile yo tout pas forcément aimer nous mais yo prend plaisir d'entendre nous soit pour critiquer soit pour encourager soit pour apprendre des bagages donc par respect pour mon ça on pense les important matin pour nous faire point ça gagner Dieu seul c'est pas l'évangile. Nous allons prêcher là et que nous avons juste fini de parler, tout le monde a dit amen et puis la tête. Non. Nous avons juste dit parce que nous-mêmes nous n'avons pas jamais parlé et nous espérons à the end of the day, ça est capable d'aider. Moi, je voulais nous noter, maintenant, madame, monsieur, intervention, là, précision, je vais vous dire là, il n'y a pas inscrit dans aucune logique de polémique. Comme si vous venez répondre des gens qui disent des bagailles ou bien qui font des bagailles dans quatre dossiers, ça veut dire des gens qui lancent des flèches en direction de Johnny Ferdinand. Ferdinand, pardon. Loin de là. Nous ne venons pas là pour nous alimenter zin, on va alimenter parole en pile qui a fait autour de questions. Il y a des gens libres pour l'apprécier, ça qu'a dit, pour l'apprécier, ça l'a dit. J'en veux. Il y a un droit ça. Pour l'histoire et pour la vérité, Johnny Ferdinand t'est doué dans délégation officielle qui t'a quitté pays d'Haïti à destination de New York pour aller participer dans 79e édition ou bien session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Pour l'histoire et pour la vérité, Johnny Ferdinand t'est doué voyager dans quatre voyages officiels ça à titre de journaliste pour le compte de radio-télévision Caraïbe. Pour l'histoire et pour la vérité, moi, je dois quitter le pays le week-end. Le week-end qui s'est passé.
les dégâts vendredi, les dégâts samedi, les dégâts hier, dimanche là. Maintenant, la grande question. Pour qui ça c'est Johnny Ferdinand? Pour qui ça c'est pas un autre? Comment Johnny Ferdinand fait voyage officiel ça? Qui est-ce qui invite il? Etc. On voulait noter ça. Radio-Télévision Caraïbes comme institution recevons une invitation de la primature. Ok? Pour couvrir et ensemble activité que notamment le ministre Gary Kony a gagné pour les mener ensemble de rencontres, de réunions, tranche l'âge moins Ronald des hommes. À moins que le dragon empêchement majeur qui a une possibilité pour la sur couverture un événement mondial pour l'Assemblée générale des Nations Unies, vous l'avez refusé. Ça c'est pour vieux bagaille. Et je le dis à qui veut l'entendre. Deuxième bagaille, on a des hommes. Moi, beaucoup j'aime voyager aux États-Unis d'Amérique. Parce que tu as pour opportunité, vous comprenez que Johnny, c'est vrai, c'est avec la délégation, mais effectivement, pour voyager aux États-Unis. Et moi, certain, c'est sous base à tout. Moi, certain, oui, c'est sous base à tout. Direction générale radio a fait choix de moi. Il a choisi Peterson Luxama, par exemple. Il a choisi et McGerson Philistine. Il a choisi n'importe l'autre journaliste. Marrons, vous comprenez. Et demain, si Dieu veut qu'il y ait une autre activité, l'autre journaliste choisi. Il suffit que Radio Télévision Caraïbe soit décidé lui-même pour la couvrir événement ou bien recevoir l'invitation. Il y a un autre journaliste. L'année prochaine, il y a un autre niveau, etc. Donc, cette année, Radio Télévision Caraïbe a fait choix de Johnny Ferdinand pour lui représenter le cadre d'une délégation officielle qui a quitté le pays à destination de New York. Pour moi-même, c'est un privilège comme jeune journaliste. Pour moi-même, loin de toute idée pour me dans le travail avec Primature, d'ailleurs, je ne vais pas travailler avec Primature. D'ailleurs, je ne sais pas Primature qui t'a invité. Primature qui t'a réveillé les bouchons avec, me dit, attendez, non, n'a pas fort bénéficié de tel bagaille, ou même pas nous ça en retour. Non. Direction radio Mrelem, direction information Mrelem, ils ont décidé de dire, mais ça vous recevoir comme invitation, et que c'est moi-même qui pral et représenter radio-télévision. Maintenant, Gaïe Dieu seul. Et est-ce que ce bagage inédit, ce bagage qui est pour la première fois, on va poser n'importe qui est-ce question ça là, à moins que mon n'a pas connu, mais depuis mon n'a connu l'abdou, non, on a des hommes. Inédit dans le sens que c'est pas la première fois, journaliste a accompagné des délégations officielles. Et c'est pas la première fois, Radio Télévision Caraïbes a bien des journalistes qui ont présenté une série de délégations. Et c'est pas la première fois, Radio Télévision Caraïbes a voué journalistes dans les Nations Unies. C'est la première fois. Maintenant, pour qui ça a année ça, lui fait scandale? Est-ce que c'est parce que c'est Johnny Ferdinand ou bien est-ce que c'est parce que c'est pour Gary Kony? Je ne sais pas. Mais à aucun moment, moi-même, pendant carrière journalisme, je ne connais que le ton bagage illégal que un journaliste haïtien représente médial dans le cadre d'une délégation officielle. Bon exemple. Bon, le bon réunion de rédaction qui a fait dans la radio-télévision Caraïbes, les ça nous étions à la rue Chavannes. Et puis, je suis accrédité dans le palais national. Et je fais un temps sous privé. Après ça, je suis officiellement accrédité dans le palais national sous Jovenel Moïse. Et je me fais une blague. Je me dis, monsieur, ouais, les gars, oui, moi, nous voyons. Je souhaite les États-Unis, nous voyons tout. Ouais. Parce que les présidents ont déplacé, etc. Comme c'est moi-même qui est accrédité. Vous comprenez? Toujours déplacé avec le président. Toujours dans la délégation président, là, dans la province, par exemple. Et il me fait une blague là, je me dis comme ça. Je souhaite les gens à l'étranger tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si dire que il pas dire qu'on va être discuté en battable. Son bagage qui était qu'on fait déjà. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, ou bien vous venez avec des éléments okay, qui prouvent que son bagage qui est illégal, moi-même jusqu'à présent, je ne vais pas commettre aucune faute. Maintenant, autre précision qui est importante. Puisque son voyage officiel, ça, nous devons retenir. De l'émission du passeport, passant par les demandes de visa, les frais de per diem, jusqu'à l'accréditation aux Nations Unies, c'est l'État qui s'en charge. C'est l'État qui s'en charge. Et ça, il parle en secret. Peut-être que mon n'y pas de connaît. Mais quand il monde a parlé de balayage, il connaît pertinemment. C'est l'État. Et comme c'est l'État qui s'en charge, madame, monsieur, par conséquent, il y a des formalités à remplir. Et moi-même,
une fois que me devine désigné par Radio Télévision Caraïbes, tout ça est fait comme suivi est fait avec l'État. Et ça, nous devons connaître. Il y a trois institutions qui sont impliquées là-dedans. Il y a la primature, il y a le ministère des Affaires étrangères et des cultes, il y a la direction de l'immigration et de l'émigration. Ou aller, c'est là pour vous demander une série d'informations, etc. Ou aller dans le ministère des Affaires étrangères pour vous monter dossier, demander photo, amener une immigration jusqu'à ce que la boucle est bouclée et puis décider de faire ça et puis aller. En tout cas, et ça étonne que c'est jeudi à quelqu'un qui est au courant. Mais plus d'une fois, m'aller dans l'institution, ça y est. C'est pas dans l'heure indigne, non, m'aller. Ouais, c'est dans des heures de bureau, côté tout citoyen ordinaire qui a passé, oui. Le mal la primature, c'est pas veille, m'a veillé qui côté mon papa pour me passer. Le mal la ministre a fait, il a fait en marge souvelée de l'Assemblée Générale des Nations Unies. La télévision Caraïbes, via sa direction générale, soumet Bagala par direction information. On a parlé de directeur information et guerrier du seul, et puis co-directeur information et Michel Joseph. Donc il était question pour joindre un journaliste pour représenter Radio Télévision Caraïbes, la délégation. Et puis, ils ont analysé, ils ont réfléchi, et au final, on a des hommes, ils ont jeté dévolu sous moi. Et ils ont décidé que c'est moi-même qui pourrais aller représenter Radio A dans quatre voyages officiels. Donc, ce n'est pas la primature qui informe mon vent, ce n'est pas la primature qui prend contact avec moi. Ce n'est pas Premier ministre, ce n'est pas chef cabinet, Premier ministre, etc. C'est Radio Télévision Caraïbes, côté map travail là. Ok? Qui informe que vous faites choix de moi pour moi voyager dans le cadre d'une délégation officielle qui a gagné pour quitter le pays pour aller aux Nations Unies. Je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous faire peuple à mentir. Je suis ému. Je suis ému pour plusieurs raisons. Je vais vous deux là-dedans. Ému et content à la fois. Ému, parce que comme journaliste, mon carrière quand même, après un certain nombre de temps, je n'ai pas fait métier ça encore, faut que j'essaie de regarder pour moi, qui est le plus gros événement, moi, je suis couvrir, qui est la plus grosse activité, je suis arrivé à participer comme journaliste. Même gens, Radio Adekavo, à le couvrir, ou bien qu'il a fait. Bien sûr que oui, depuis que j'ai fait dans notre pays, côté monde civilisé à vivre. Yeah. Je ne pas bon, je suis content, je dis que. Dans la carrière journaliste, je vais couvrir l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ce sont des choses pour moi. Et désolé de le dire, mais c'est la vérité. Ils sont belle opportunité là. Au moins, les m'a bien pour me raconter petit moi, ou bien les m'a pas fait journaliste encore. Et puis, moi fait l'autre bagaille. Je dis, ah, j'ai l'aime des journalistes, j'ai une chance de couvrir telle activité, j'ai une chance d'aller dans telle activité, j'ai une chance de couvrir tel événement, etc. Et je dis, quoi, des jeunes journalistes. Ma génération dans la haut